Match-up très intéressant ou pas. Ou pas le match-up intéressant, mais peut-être que Abdes est parti direct sur Camille. On va voir si c'est pour test ou direct, il préfère Camille. Ça commence tout de suite. Ça a l'air d'être complètement parti. Et là, c'est parti pour un pressing infini, vu que Camille a réussi à être dans la garde. Allez, le Dalsim d'Aquarius qui arrive à prendre ses distances. Mais voilà, ça s'est bien joué, le décalage X-Dive de la part de Camille qui touche encore une fois. Ouais, pourquoi se prendre la tête? C'est clair, Abdes a complètement raison. Il se permet des petits resets. Pour l'instant, au jeu de chat et la souris, c'est le chat qui a chopé la souris. C'est exactement ça le match-up. L'un va courir après l'autre. Et là, sans embrouille, le Cannon Spike qui fait un poke et qui met au sol le Aquarius. C'est ce qui permet à Abdes de presser comme un citron dans les cordes à droite le Aquarius qui se retrouve dans une mauvaise situation là. Le Aquarius, la contre-projection. Et le dragon en anticipation. Abdes, et le pas moyen point. Qui poque 1-0 pour Abdes. Mais il est magnifique quand il est comme ça, Abdes. Il sait tout, tu ne peux rien faire, cherche pas. Le moindre poke que tu mets, il te le rattrape avec un coup spécial, avec il n'y a pas d'embrouille. En fait, Aquarius, il va falloir qu'il arrive à prendre ses distances et à se décoller de ce pot de colle qu'est la Camille d'Abdes. C'est un pot de colle. Ouais, c'est un pot de colle. Ça va être marrant à voir. Surtout si Aquarius réussit à tenir à distance la Camille. Et là, non, malheureusement, l'antisaut ne fonctionne pas de Aquarius. C'est tout de suite une mise au sol avec du corps à corps et les devant-derrière de Abdes. Malheureusement, sur la dernière offensive d'Abdes, ça n'avait pas touché. Mais il réussit malgré tout à arnaquer le Aquarius avec un spiral qui avait légèrement touché et qui avait gardé l'avantage d'une projection. Et là, sur une option select bas des shops, le Abdes se fait complètement plaisir. Aquarius a déjà presque plus de vie. Et c'est compliqué avec, évidemment, le Spiral EX qui passe à travers les boules et qui est garanti pour la gratte d'une et de deux pour passer à travers des coups spéciaux. Premier round pour Abdes. Abdes qui lâche rien, qui est une vraie tank, qui course Dalsim tant qu'il peut. Et voilà, il trouve une dive, il est proche et là la balayette. Après tout ça, cette distance qui arrive à toucher. Ça va être super chaud pour Aquarius, c'est pas possible quoi. On a l'impression que le match-up. Ah voilà, la TP bien trouvée qui a bait le dragon, mais voilà, il se rapproche tout de suite. Il a encore des barres, il va rebuild bientôt une barre Abdes. Cette fois, il a attendu, mais les choix qu'il fait, mais il a tout le temps raison! Il a tout le temps raison, le mec. Ça rend ouf. Ça rend ouf. C'est magnifique, hein, y a pas de souci. 2-0 déjà. 2-0 pour Abdes. Ça va vraiment très très vite. Ouais, là c'est. Même moi, hein, là, je me demande bien quelles sont les solutions pour Dalsim. Et j'ai beau me creuser le crâne, si Abdes joue tout plein comme ça, ça va être vraiment compliqué. Hein. Ouais, compliqué ex, quoi, comme on dit. Tout à fait. Alors. Ah, un mauvais choix. Voilà. Allez, Aquarius qui se remet tout doucement dans le bain, qui commence. Allez, voilà, le pot de colle est là. Est-ce que ça va durer? Bien joué. Le Yoga Blast, c'est ça? En l'air. Bon petit pressing d'Aquarius qui commence à avoir le rythme. Le sniper shot, et encore. Avec derrière la TP, attention. Mauvaise distance et tout de suite gros combo, ça s'est gardé. Oh. Non. Ah non, c'est vrai. Adek reste actif très longtemps et premier round d'Aquarius. Mais il était encore pas loin de se faire avoir. Hein. Ouais, voilà. Il était pas loin de se faire sanctifier, exactement, ouais, tout à fait. Et pour le moment, Aquarius a l'air de petit à petit poser son jeu, réussir à trouver justement les petites choses qui font que le match-up sera plutôt en sa faveur et surtout le zoning, et ça a l'air de marcher pour le moment. Allez, Aquarius qui prend ses distances et qui anticipe bien les mouvements de Camille avec un devant-derrière protégé, et malheureusement pour Abdes, ça fait des coups spéciaux dans la garde. Et là, ça a tenté, hein. J'ai préféré pas parler au cas où, parce que... Hein, ouais, on sait jamais, hein, sur un malentendu... Tout à fait. Hein.
et Aquarius qui récupère son premier point. 2-1 quand même pour Hades. Ouais, bien joué de la part d'Aquarius là, qui a réussi à être patient. On va voir s'il va rester là-dessus. D'ailleurs, oui, on reste sur du Camille Dalsim. Il n'y a pas d'embrouille. Pour se rapprocher, c'est quand même mieux que Ryu et de devoir piffer des petits dragons. Nous allons voir ça en tout cas. Tout à fait. Tout à fait, KX, tout à fait. N'est-ce pas? Allez, nous voilà sur le premier round. Alors évidemment, les deux joueurs là ont quelques petits soucis de connexion. Donc pour nous aussi, il y a quelques petits freeze. Mais je vous rassure, ça vient de en partie. Avec la projection qui emmène dans les corps à droite le Hades, à cause qu'il lâche son ultra et qui espérait faire un overhead avec le saut gros point, mais c'était gardé de la part d'Hades. Hades qui vise l'offensive avec ses canons spike justement à base de FADC pour pouvoir vraiment garder le Aquarius près de lui, et le gros point qui punit les téléportations de Dalsim. Dalsim qui n'a rien fait de particulier à Hades, qui a un peu trop lu l'avenir, hein, qui a un peu trop fait son sliders malheureusement. Et Aquarius n'a pas fini au maximum. Et j'espère pas pour lui que ça lui porte préjudice. Mais en tout cas, ça gère les distances et un double contact permet à Hades de remporter son premier round. Comment dire, allez, c'est reparti. Cette fois, le décalage dive qui est trouvé. Et la petite chop arrière. Le setup, cross-up, pas cross-up. Oh, il a carotté. Le Yoga Blast, mais là il risque de se prendre, voilà, le Yoga Catastrophe dans les dents. Il essaye de faire un setup avec sa boule, le Dalsim, voilà, qui est bien attentif, qui arrive à bien entier Camille. Et voilà, il a été patient, la chope arrière pour remettre longue distance et pouvoir mettre son jeu de zoning en place. La Camille qui a réussi à avancer mais qui se prend l'entière et rebolote dans l'autre coin. Je te maîtrise, je gère, je suis patient, j'attends tes erreurs et je punis, je te mets loin. Bien joué de la part d'Aquarius. Ouais, un round partout, Aquarius qui maintenant ne se laisse plus faire et qui impose le respect maintenant face à Hades. Il montre clairement que ça sert à rien d'attaquer au pif comme ça. Et ça a l'air de bien marcher, parce qu'Hades malheureusement se relâche un peu trop là, à faire trop de coups spéciaux dans la garde, à trop essayer d'anticiper certaines actions. Et c'est Aquarius qui en profite, comme on peut le voir ici, avec notamment ses coups spéciaux qui anticipent l'anticipation d'Hades. Et ça marche plutôt bien, à l'exception d'ici où Aquarius a complètement ouvert sa garde avec un coup spécial à la relevée qui malheureusement n'a pas d'invincibilité pour lui. Et Hades qui s'amuse avec lui, qui fait des resets et des projections et des cross-up qui mettent stun. Hades qui récupère son deuxième match de partout. Ah, c'est dommage de se prendre ces petits reset shop pour se faire remettre dans le coin, ça. Aïe aïe aïe. Ça fait 3 à 1. Très belle analyse, Drus. C'est tout à fait ça. Et là, l'agression est au rendez-vous. Et Aquarius, pourtant, c'était bien débrouillé là dans le match d'avant. C'est dommage. Pas évident. Pas évident. Petite glissade qui trouve le first hit. Allez, Aquarius qui m'abaisse dans le coin, voilà, qui recule avec une petite TP, qui gère bien son zoning longue distance, la boule, et qui recule encore avec une petite TP tout en fixant cette Camille. Voilà, il a déjà encaissé. Waouh là là, le dash avant dragon qui touche. Oh là là, comment ça l'a bien remis, mais là bon, 3 hit combo qui a bien arraché. Pas mal, l'anti-saut. Ouais ouais, qui était actif assez longtemps pour bouffer la Divex. Les chops arrière retrouvés et 1-0 pour Aquarius, j'ai déjà lu. Yes, est-ce que Aquarius, pardon, va enfin trouver le chemin qui lui permettrait de remporter son deuxième match? S'il continue comme ça, j'ai envie de te dire oui. Enfin, s'il continue comme ça, comme dans le premier round, pas comme ici, parce que là, pour le moment, c'est l'agression de Hades dans le coin, et comme on dit sur le chat, le risk and reward d'Hades est complètement rentable. Oui. Et l'activation du gros point n'est pas assez longue, et même, je crois qu'il y a de l'invincibilité au niveau de l'ultra d'Aquarius, et quoi qu'il arrive, la boule sort. Et c'est Aquarius qui, à contrario de ce qu'on a vu avant avec Hades, qui a agressé il y a quelques secondes auparavant le Hades. Wow. Le Hades, rien à faire. Il avance tel un Robocop avec un dash avant, projection arrière et le cross-up à cross-up. Et c'est dans la garde avec la contre-projection Aquarius, téléportation, puni par Hades avec son gros point en réflexe.
Et Abdes qui s'offre une balle de match pour le 4 à 1. Oui, oui, Abdes qui fait vraiment ce qu'il faut faire. Hein. C'est exactement ça. Et qui trouve, voilà, dès qu'il a une barre d'ex, tellement dangereux ça. Et en plus, sur Dalsim, là, il est collé. Ouh là là, il tentait le frame trap alors qu'il avait ouvert déjà la garde. Et encore une fois, ce dragon pas très bien puni. Mais Abdes qui s'en sort archi bien, qui se fait à peine effleurer par cette énorme boule de feu. Mais cette fois, il se fait choper. Aquarius qui décide d'être un petit peu agressif. Voilà, un entier bien trouvé. Ah, mais avec le coup du hit, Camille s'est décalé. Il chope, la chope mauvaise distance. Bonne garde de la part d'Abdes. Et le pif qui est bien gardé et puni. Attention, qu'est-ce qu'il nous réserve? Ça sent la schnapserie. Ça sent la schnapserie. Mais non. Oh, il y a une ouverture de garde. Attention, c'est très dangereux. Oh, la chope vient d'échopper. Oh, attention. Glissade. Attention. Oh, ah, le dragon. La tristesse. Nous pouvons lire la tristesse à travers les internets. 4-1 pour Abdes, c'est trop dommage. Ouais. Toutes ces choses qui arrivent dans sa garde ou dans les airs, et il me semble que ses positions sont pas optimisées. Ouais. Il faut qu'Aquarius se ressaisisse, que le spectacle continue. Faut qu'il arrive vraiment à cadrer cette Camille complètement entre guillemets fofolle, qui trace, qui avance, et c'est parti. Et donc pour le moment, Aquarius, son erreur d'exécution se retrouve dans le coin alors qu'il avait super bien géré la première partie de son round. Mais dans les cordes à droite, le Abdes pour reprendre ses distances et essaye de, comme on peut le voir, de faire des anti-sauts ou de taper dans les airs. Mais Camille, on va dire que tous ses coups spéciaux ont clairement l'avantage au niveau d'époque. Il va être derrière. Oh là là, l'arnaque, mon dieu. Avec le devant derrière, la petite phase, la contre-projection, ça on l'avait vu tout déjà tout à l'heure, hein, de Abdes. C'est Aquarius qui gère bien la distance, mais non. Lorsque Camille a une barre de VX, n'essaye même pas d'anti-saut lorsqu'elle est encore dans les airs, parce que là, comme on peut le voir à plusieurs reprises, c'est Camille qui poke avec ses coups spéciaux VX. Balle de match pour Abdes. C'est clair, balle de match pour Abdes, c'est très très chaud là déjà. Aquarius qui a failli se manger une petite saving relâchée. Heureusement qu'elle a pas fait counter, sinon ça aurait été la fin des haricots dès le début. Et voilà encore le décalage, beau combo, light, fort trouvé, le HK. Ah là 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 là, Death qui doit revenir, mais avec son Queen One qui arrive, mais là il peut choper ou faire quelque chose peut-être. Oh là là, ah, ça va. Oh, mais oui, ça, comme tout à l'heure, la boule de feu de Dalsim ultra lente permet de toucher cette Camille. Il a sauvé une balle de match. Exactement, Aquarius qui sauve sa balle de match et qui emmène dans les cordes à droite la Camille qui décide d'approcher. Et aussitôt dit, aussitôt reparti. Et voilà, sur des projections, la relevée inutile. Il faut mettre la garde, même s'enfuir. Faut s'enfuir, enfuis-toi, c'est tout. Enfuis-toi, mon petit. Et empêche le pitbull d'approcher. Allez, l'ultra qui touche. Avec des devants derrière. Bien joué le juggle. La punition en gros pied sur un Dalsim qui avait sauté dans les airs avec son gros poing. Le red focus. Fallait tout garder. Lâcher ensuite. Dommage qu'il n'y ait pas de dash et qu'il n'ait pas relâché là dans son spam. Il avait bien trouvé la red focus. Il avait complètement sa chance là-dessus. C'est dommage. Félicitations à Pitbull Abdes. Hein. Pitbull Abdes, effectivement.